Bon, TikTok. Honnêtement, je pense que c'est le plus grand gangbang que Internet ait connu jusqu'à ce jour. Sur cette plateforme, tu peux trouver de tout. Passant des vidéos gaming à des vidéos de mecs en cosplay qui se font passer pour des cochons ou alors pour des vaches. Oui, très clairement. Vous l'avez compris, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, commençons cette vidéo. Bon, sur quoi je suis encore tombé? Honnêtement, si vous me connaissez, vous savez très bien, je tombe sur des trucs de fou. Honnêtement, TikTok ne me surprend même plus, tellement je suis tombé sur des trucs bizarres. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Johnny Ridling 2.0. Bon, qui est ce mec? À première vue, ça a l'air de passer. On pourrait se dire que avec ses 5,6 millions d'abonnés et ses 61 millions de likes, ce mec là doit être énormément apprécié et doit faire surtout du bon contenu. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. I'm a gummy, 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 gummy bear. Oh my gosh! Gummy bears! Ooh, for me? Mmm! Oh, it's just so good! Gummy bears! Ouais, c'est lui. Honnêtement, sur quoi je suis tombé, vraiment? Et oui, chose aussi que j'ai oublié de vous dire, ce mec-là a 40 ans. Il y a zéro van, il a vraiment 40 ans et s'amuse à faire du cosplay tout seul dans sa chambre et à se filmer en train de gaspiller de la nourriture. Mon dieu, je tiens quand même à rappeler les gars, hein, au cas où si vous l'avez oublié, ce mec là est quand même suivi par près de 6 millions de personnes et a plus de 60 millions de likes. 60 millions de likes, ça veut dire que toute la France a au moins liké un de ses TikTok, à ordre de comparaison bien sûr. Et honnêtement, quand je suis tombé sur sa chaîne la première fois, je pouvais pas savoir comment j'ai eu des frissons de gêne. Et si toi aussi tu les as eu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, histoire que je me sente un peu moins seul, parce que honnêtement, je suis choqué de voir ça sur TikTok. Comment c'est possible? Miaou! 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 Honnêtement, c'est juste une dinguerie de voir ça. Un mec qui se filme juste en cosplay pour gosse, car oui, on va en revenir après, mais il y a une énorme partie sombre qui se cache là-dedans, parce que quand quelqu'un fait du cosplay pour enfant, ça cache souvent quelque chose. Et moi, ce qui me choque vraiment, c'est que les gens ont l'air d'aimer ce qu'il fait. Parce que bon, pour se retrouver avec 60 millions de likes, ce qui est quand même colossal. Bon, après, tu vas me dire que TikTok, c'est vraiment la plateforme où tout le monde peut percer en faisant n'importe quoi et se retrouver justement avec des 60 millions de likes. Mais c'est quand même assez choquant de voir des gens liker quelqu'un qui gaspille principalement de la nourriture. Mais honnêtement, si là déjà ça vous choque le gaspillage de nourriture, je pense que vous êtes pas prêt pour son contenu principal. Parce que oui, malgré qu'il fasse du cosplay, il y a un gros contenu principal, toujours en cosplay, où il se filme en train de donner à manger à son t-shirt avec du pudding. Y a aucune vanne là-dedans. C'est
déjà là pour vous cette musique vous énerve, alors n'allez jamais sur son compte, car son compte est rempli principalement que de ça. Je dirais que son contenu est constitué à 50% de ça. La même musique en boucle avec différents cosplays en train de se mettre du pudding sur la gueule et sur son t-shirt. Sur quoi je suis encore tombé? Vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. Moi, je me demande vraiment si ce mec-là a des voisins. Moi, j'aimerais pas être le voisin de Johnny Ridling. T'es là tranquillement en train de faire à manger et t'as l'autre à côté qui est en train de faire des bruits de cochon ou de vache. Ah oui, parce que bon, il aime bien imiter des animaux aussi, si jamais vous êtes pas au courant. Ouais ouais, il s'est vraiment filmé dans sa cour avec un déguisement de porc en train de se rouler dans la boue. Est-ce que c'est bon pour vous? Non pas... Oh j'ai vraiment fait ça, nom de Dieu. Non mais honnêtement, est-ce qu'il y a une personne ici qui s'est dit un jour qu'il va faire du contenu sur TikTok avec des cosplays d'animaux en train de se rouler dans la boue? Non parce que si quelqu'un a eu l'idée, qu'il se manifeste tout de suite, histoire qu'on le prévienne que c'est une idée de merde. Bon, qu'il fonctionne parce que bon, il a quand même 60 millions de likes, c'est pas rien. Mais ça reste une idée de merde. Surtout quand on voit que ce mec-là se met dans des états pas possibles des fois pour faire ses vidéos. Ouais, il s'est mis dans cet état avec du lait complètement froid juste pour faire une vidéo. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Non, parce que c'est à la fois malaisant et à la fois malsain de se dire que ce mec-là préfère se geler complètement la gueule juste pour faire des vues. Genre, c'est vraiment malaisant. Honnêtement, je trouve ça vraiment malaisant. Bizarrement, ça me fait rappeler quelqu'un. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que là-bas, le mode opératoire aux States, c'est de se donner la mort pour percer. Non, mais si quelqu'un a la charte d'utilisation des Américains, moi, honnêtement, j'aimerais bien l'avoir parce que on dirait que pour eux, c'est totalement normal là-bas. Là, ce que je vous ai montré, c'est son contenu. C'est comme ça qu'il a réussi à percer, à avoir tous ses millions d'abonnés et de likes. Mais moi, là-dedans, avec les abonnés sur Kick, d'ailleurs que je t'invite vite à aller rejoindre, parce que c'est là-bas qu'on fait mes prochaines vidéos, et ben, avec la commu, on a quand même remarqué quelque chose. Malgré les commentaires qui se foutent de sa gueule, il y a énormément de commentaires aussi qui apprécie ce qu'il fait. Et quand tu regardes la gueule des commentaires, tu peux te rendre compte que c'est souvent des enfants. Que comme je l'ai dit avant, et si tu l'as constaté tout au long de cette vidéo, ce mec-là porte des cosplays destinés à des enfants. Et là, je pense que tu comprends un peu où je veux en venir. Sur TikTok, ce qui est bien, et à la fois pas bien pour ce genre de cas, c'est que tu peux directement rediriger la communauté vers ton Instagram. Et quand tu es enfant, que tu vois quelqu'un d'assez friendly, on va dire, car il porte des cosplays destinés à toi, vu que t'es un jeune enfant, et bah t'es assez naïf pour aller le follow et aller lui envoyer des messages. Et pour le moment, je n'affirme rien du tout, ok? Mais ça reste quand même à voir, parce qu'il y a pas mal de youtubeurs, ainsi que de posts sur Twitter, qui parlent de cette pratique assez suspecte, où tu as des fois des personnes qui se déguisent en mode ad friendly, pour attirer des enfants vers leur compte Instagram. Et ensuite, je vais vous épargner les détails, mais vous m'avez compris. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le même mode opératoire. Quelqu'un qui se déguise, qui fait des millions et des millions de vues sur TikTok, et qui derrière va attirer des enfants sur son Instagram. Et ça, ça me dégoûte à un point. Et quand tu réfléchis dans le fond, tu te dis que c'est vraiment pas impossible. Surtout, comme on l'a vu avant, quand tu vois les états, où il se met juste pour faire des TikTok. Pour le moment, je suis rentré en contact avec des TikTokers ainsi que des YouTubers qui font le même contenu que moi là-bas. On est en train de regarder tout ça ensemble. Et bien évidemment, si on y découvre quelque chose, une partie 2 apparaîtra sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas oublier de t'abonner et que d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, tu pourras être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir à son sujet si on y découvre quelque chose. Et c'est pour ça que je mets tout ça avec des pincettes. Car on est sûr de rien, ça reste que des suppositions.
Mais pour le moment, je suis quand même tombé sur le TikToker, je pense, le plus cringe de TikTok. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.